J'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, on va installer la Vim Software Appliance, donc l'appliance de Vim en version 13, et on va également faire un petit tour d'horizon des différentes interfaces, que ce soit l'interface web, le cockpit ou tout simplement le client lourd sous Windows. J'espère que vous êtes prêts. Je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et c'est parti. C'est le forum public, tout le monde a accès, avec les fréquentes questions, notamment sur la partie comment ça va se passer les releases et comment ça va se passer le déploiement. Pour ceux qui veulent aussi, je vais vous envoyer juste le lien vers le current build. C'est le poste du forum avec les informations sur le lien sur le What's New, Release Note, Help Center, le lien vers pour le télécharger directement. Comme ça, vous avez toutes les infos. Donc, ce qui est important de garder en tête pour le release schedule et le déploiement, bon, je ne vous lis pas tout ce qu'il a écrit, vous pourrez le faire après, mais en gros, dans les grandes lignes. Bon, il y aura toujours une install Windows. L'install Windows, c'est plus tard, c'est plutôt fin d'année. Là, on a sorti en Early Release la VSA. Donc c'est l'appliance, la Vim Software Appliance, sous Linux, préinstallée, préconfigurée, etc. Les deux, Windows et Linux, vont utiliser le même code. Donc pas de souci à ce niveau-là, c'est juste que là, on sort que la VSA pour l'instant. La Vim Software Appliance, on sortira plus tard Windows avec les upgrades. Ce qui veut dire que là, vous ne pouvez pas faire d'upgrade. On va faire une install fraîche. De cette appliance, mais on va pas pouvoir upgrade une V12 existante. Donc, ce qui veut aussi dire que pas de mise à jour de V12 et pas de Cloud Connect. Il faudra attendre la version 13.0.1, fin d'année, tout ça, pour Cloud Connect. Pas de Cloud Connect pour l'instant. Les avantages de l'appliance, je vous résume, hein, blab, schedule, etc. Les avantages de l'appliance, c'est performance, scalabilité, TCO réduit, sécurité renforcée, patch automatique. Bon, c'est une appliance, quoi. Les risques, par contre, c'est changement important. Il y a du code qui a modifié, forcément, on a refait toute la stack. Ouais, ils ont refait toute la stack réseau. Donc ils ont eu besoin, ils enlèvent le WinRM, ils enlèvent tout ça, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de code qui a été modifié. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais vous prenez plus de risques en déployant ça aujourd'hui. Surtout si c'est des scénarios complexes. Si vous faites juste du backup VMware, Hyper-V, backup copy, enfin tout ça, je suis pas inquiet, mais quand il y a des déploiements plus complexes, il faudra le prendre en compte. Sur l'aspect licence aussi, gros changement sur l'aspect licence, tac. Donc si vous faites du Windows, pas de changement, vu le rental, NFR, socket, community, ce que tu veux. En revanche, pour la VSA, il y aura uniquement Vuln, rental et NFR. Donc pas de socket, pas d'essentiel pour l'instant sur le physique. Donc si jamais vous avez du essentiel, regardez un peu, lisez en détail ce qui est écrit, mais il n'y a pas d'essentiel pour l'instant pour les serveurs physiques. Et donc il faut penser forcément, si vous voulez la VSA, c'est partir en Vuln ou en rental. Il n'y a pas de community edition. Ils n'ont pas mis de community edition, c'est important. Voilà. Et donc, pour continuer de résumer, l'upgrade V12 vers V13, ce sera possible que en 13.01, donc Q4, quatrième trimestre. Et la migration de Windows vers Linux, c'est écrit ici. Il y aura une page ici, conversion sign-up page, où petit à petit, quand ils seront prêts, ils vont mettre à disposition l'outil au cas par cas pour tester, valider et voir comment ça va marcher. Voilà, comme ça vous avez un peu toutes les infos résumées ici. Merci à ChatGPT d'avoir tout résumé. Ok, la VSA, c'est parti, j'accepte. Le hostname. Ah, clavier américain déjà on détecte. Oh non, je vais lui donner un nom, je vais le retrouver parce que sinon. VBR V13-1. Voilà, comme ça sera le même que l'hyperviseur. Ah, forcément. Non. Ok. Donc, celle-là est enable. DHCP, il a trouvé 147, mais je sais plus laquelle je voulais. Je crois que c'est 147. Alors, attendez, je retrouve mes notes. Bon, 147, c'est bien. Bon, on le sait. Je vais noter. Ok, on va pas aller dans Advance. Le password de 15 caractères en QWERTY. Ah ouais, c'est vrai. Alors...
Il y a mon chat qui est en train de s'enflammer, je sais pas si vous l'entendez derrière. On change pas. Il a bien trouvé 9h. Ah si, change. France. Ah non, c'est Paris, je crois, les time zones. Entrée. 11h43, c'est bon. Bon, on va faire un petit show password hein, parce que celui-là, on va jamais y arriver avec le QWERTY. Alors, 1, 2, 3. Toujours le même password, hein, au moins c'est qui marche celui-là. Ok, ça c'est mon Vim admin, super. Allez, c'est parti. Oh, va falloir que je nettoie mon TOTP aussi parce que je vais avoir les anciens VBR qui vont être là. Supprimer. Supprimer. Heureusement, je vais en avoir que deux cette fois. Et pour le show QR code. Hop, VBR, admin, c'est rajouté. Et donc. Est-ce que vous aussi, quand votre token il a crié une seconde, 0 seconde, vous êtes en train d'essayer de taper le plus rapidement possible pour essayer de rentrer le code avant, et ça passe jamais. Est-ce que tous ces paramètres sont modifiables ensuite via l'interface web? Eh ben Gaël, on ira voir sur l'interface web du Remote Management. Il y a plein de choses dans le host management dans le cockpit là. Après, tu as toujours le CLI disponible encore hein, si tu te reconnectes sur la appliance. S'ils n'ont pas mis ça dans le host management en web, potentiellement tu le retrouves en. Je sais que tu peux racheter une carte, mais je sais pas si tu peux faire des bonds et des choses comme ça. Le réseau en tout cas, le network, le nom, etc., tu l'as dans le cockpit. Ouais. Alors, pareil. Software. Alors, je sais que j'avais fait, j'avais trouvé un truc. Donc, je suis obligé d'activer le Security Officer. D'accord, c'est important parce qu'après, il y a des limitations pour les backups de conf, pour le Forest Authorization, etc. C'est bien d'avoir le. Enfin, c'est obligatoire dans plein de scénarios d'avoir le Security Officer. Faites attention, si vous ne mettez pas de Security Officer, faites skip, vous ne pourrez jamais le remettre par la suite. C'est définitif, c'est fait maintenant, etc. Donc, faites bien attention à ne, si jamais vous choisissez de le skip, regardez ce que ça implique. 1, 2, 3. Ok, on a fait le setup. On va laisser faire son setup de l'appliance. Bah, mon appliance a démarré. 1147. Alors. Hop. Et ben, c'est parfait. Mon interface web s'est lancée pour ma software appliance. Waouh! Il va demander un fichier de licence. Voilà, pour info, la Vim Software Appliance, côté licence, on a dit que c'était des VDP. D'accord? Donc, qui dit Vim Data Platform, ça veut dire qu'il faut aller générer une clé Vim Data Platform Foundation, Advanced, Premium pour pouvoir avoir accès. Donc, Foundation, c'est juste qu'en gros, ils ont simplifié le modèle puisqu'ils l'ont mis sur le même modèle que le resell. VDP Foundation, c'est Enterprise Plus. VDP Advance, c'est Enterprise Plus et VimOne. Et Premium, c'est avec Orchestrator dedans. Je pense qu'il faudra que je fasse un récap un peu de comment ça fonctionne cette partie licence qui a évolué. Parce que ça, pour tous ceux qui font de service provider, vous n'avez pas l'habitude, mais c'est juste calqué sur le modèle resell. Ça veut juste dire aussi que la Software Appliance, c'est plus en Community Edition et c'est qu'un Enterprise Plus. Puisque Foundation, c'est que l'Enterprise Plus. Alors, Pulse, accéder à Pulse.
qu'il va y avoir du premier coup. Du premier coup. Manage licence. Request new licence. Licence description, BTE, VSA. Est-ce que j'existe dans la liste? Moi, je dois exister. Alors, VDP, bon, on va prendre une advent parce qu'on a Vimoine. Je pense que 100, je devrais être large. Submit. Fais ça, download. Et ben voilà. Mon infrastructure est saine, forcément, il n'y a rien dessus. Mais il m'a gardé mon dark mode, c'est marrant. Il m'a gardé mon dark mode, je suis en admin. Pas de job, pas de backup, nickel. À côté, on va aussi se connecter au cockpit. Et si mes souvenirs sont bons, 10, 4, 4, 3. Vimadmin, le MFA pour le host management, 0.37, 0.84. Nickel, donc ça pour répondre à la question de Gaël de tout à l'heure, nous avons l'accès, request route, change password, activer le SSH si besoin, la connexion réseau, le time server, et on peut changer du coup le network ici, join un domaine, éditer le host name. On peut connecter ou déconnecter des cartes réseau, changer les configurations DNS ou IP. Par contre, on ne va pas pouvoir faire des bonds. Apparemment, il faut peut-être le faire en CLI. Mais ensuite, on peut changer les time zones, changer le remote access, donc j'ai le vide ouvert, créer des utilisateurs Linux et sur le cockpit. Voilà, pas de changement là-dessus. Potentiellement, ça, je crois qu'il va falloir que je l'active, la partie data collection. Pour le monitoring management system, donc je vais faire activer ça pour pouvoir rajouter VimOne. Et ici j'ai l'accès aux updates. J'ai une security update qui est déjà disponible. Et bah écoute, allons-y, install now. C'est beau. Donc on a une. Donc ça c'est le cockpit, c'est la gestion web de vraiment de l'OS, d'accord? La preuve, je fais des updates d'OS. Et ici, j'ai l'interface web pour interface de Vim Backup et Replication. Dans l'interface de Vim Backup et Replication, il n'y aura pas tout. D'accord? Moi, je suis en train d'en démarrer, donc j'ai une erreur, mais. Il n'y aura pas tout. Hein. Au début, je crois qu'il n'y a que VMware Hyper-V. Je crois qu'ils ont mis HV, mais je ne vais peut-être pas vous dire de bêtises. On fera un gros What's New sur un Technical Code Club. Mais l'idée, c'est que dans cette interface web, pour l'instant, il va y avoir plein de choses. Hyper-V, mais il n'y aura pas tout. Il y aura besoin encore du client lourd qu'on va devoir installer juste après sur une machine Windows pour pouvoir se connecter et faire l'intégralité des opérations. Voilà, il va y avoir une phase de transition entre l'interface web et le client lourd qui va prendre un peu de temps. Ok, bon, ça c'est cool. L'update extrêmement rapide. Je retourne sur mon host juste pour vérifier que tout va bien. Donc, comme on peut le voir, l'installation des updates se fait en interface web, c'est cool. L'installation d'une appliance se fait en moins de 5 minutes, littéralement, avec un peu d'expérience. Et après, il y aura certainement en plus la possibilité de l'industrialiser. Mais en moins de 5 minutes, c'est installé, donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ici, je suis sûr. Manuel version 13. Configuration. Les configs. Ok, SNMP, warning. Gestion des crédentials. Gestion de la licence. C'est ma licence rentale. En advance, nickel. Ok, update setting. Security only. Weekly. 30 jours. Sans proxy, nickel. Vim Intelligence, mais moi je l'active. On va tester les fonctions d'IA sans problème. L'apparence Dark Mode,
Ok. Et là, c'est toutes les infos. Ça, c'est les configs, elles sont simples. Ensuite, repository. Je peux rajouter du Vault. Je peux ajouter du Scale-out. Et je peux gérer les repositories. Je peux acheter du Windows, Linux et du Harden. Donc, je ne peux pas rajouter de l'objet, ça veut dire. Donc vous voyez, ça, c'est les limitations de l'interface web pour l'instant. Ok. Ah, je sais pas si le chat est en latence par rapport à ce que j'ai montré. Je vais dans le menu configuration, je pense que tu as tout vu. Tu as tout vu dans la partie config, bon, même si je vais vite. Donc les repos pour l'instant, s'il y a du stockage d'objets ou autre chose, ça sera en client lourd. Proxy, uniquement Windows et Hyper-V et VMware. Manage serveur, uniquement Hyper-V et VMware. Uniquement Windows et Linux, ok. Log, on a la liste de tous les logs. Les analytics de VimOne, je regarderai comment marche l'intégration. Mon client lourd, finish. J'ai mon client lourd qui tourne sur Windows et ce qui se connecte à un VBR sous Linux. Si je vais ici dans Backup Infrastructure, je vois que mon Managed Server, mon VBR, il est sous Linux. Voilà, c'est tout. Mais ça vaut même un client lourd sous Windows. Voilà, on va tout passer en dark mode parce que. Tug. Parce que j'ai un écran LED. Et là, j'ai vraiment tout, licence, host management, la configuration de backup et compagnie. Ouais. Et ben, je suis plutôt content. Et ensuite, bah, que j'essaie de connecter au moins un serveur Proxmox ou peut-être un serveur Hyper-V à mon Vim Backup et Replication, à mon appliance en version 13, pour bah, pouvoir commencer à faire des petits joujoux et avoir des trucs qui remontent dans VimOne, etc. Bon courage si vous du coup vous lancez dans des updates, peut-être commencer par un lab, attendez avant de mettre en prod, pour des raisons tout simplement que bah, qu'il y avait des petits bugs, des early bugs, etc. Attendez un peu. Mais bon, vous avez vu, moi ça s'est bien passé. VimOne, ça va être, je pense, une énorme nouveauté. Beaucoup, beaucoup d'améliorations sur les reporting. Intégration avec directement dans l'interface web de VBR, donc ça va être top. La VSPC, bah, va y avoir des plugins. Et je pense que moi, je vais essayer de vibe code avec ChatGPT, des plugins, pour voir ce qu'on peut faire un peu avec. Donc c'est cool. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses là, beaucoup de jouets avant la fin de l'année, beaucoup de choses à voir. Probablement, on va envoyer une invite pour le Technica Toot Club pour qu'on s'organise, mais je pense que ce sera sur octobre ou novembre. Ça va dépendre. On va essayer de se trouver du temps pour pouvoir faire bah, un gros What's New V13. Puisque ça va être un peu violent tout ce qu'on va avoir à présenter. Entre V13, les V13 VimOne, V13 Windows Linux et VSPC V9, ça va être un peu violent. Donc voilà, préparez-vous, bonne app à tous, merci d'avoir été là et à bientôt pour de nouvelles aventures bien sûr.